Good morgen, allez, il est sur aujourd'hui, les Nishmat Raïsar, Bet Miriam, Masculin, Fouad, Olivier, Israël, Shimon, Bet Raïsar, Famchet Miriam, Bet Roselena, Biamil, Ben Chibiba. Si vous souhaitez aussi donner une prochaine étude de Mishnah, contactez la communauté éternelle, nous étions au Massacre Shabbat, Parikraf, Mishnah Dalet, Gorofin, Milifna, Petam, Omesalkin, Lizdadin, Mipene, Harei, Divri, Rabido, Sabah, Rami, Mourim, Notlin, Milifne, Bahamim, Osrin, Notlin, Lifne, Behemazo, Venotlin, Lifne, Behemazo, Beshabbat. Une Mishnah que, apparemment, le petit rapport qu'il y a, c'est qu'on va parler de paille. En fait, de paille, de foin. C'est un peu le sujet des trois Mishnah, une d'avant et la prochaine aussi. Et cette fois-ci, en rapport avec les lois du Mouktsé et l'entretien des animaux. Et la Mishnah me dit Gorfin, Benefin, Apetam. On a le droit d'être. Je commence par traduire, après j'explique. Il y a une double discussion, en fait, entre Rabbi Dosa et Chachamim. Rabbi Dosa me dit, donc ça va être écrit ensuite, Divre Rabbi Dosa, ça se rapporte sur les deux phrases de la Mishnah. Gorfin me définit un pétam. Un pétam, c'est un. Les fatem en hébreu, ça veut dire engraisser. Quand on élève un taureau que l'on engraisse, par exemple, pour que ce soit bien gras, on émet fatem au taureau. Et la Mishnah me dit, ben, Gorfin me définit un pétam. Donc il faut qu'il ait de la bonne nourriture, de bonne qualité, qu'il soit attirante pour qu'il mange facilement. Sinon, ça ne donne pas envie. Maintenant, le taureau, l'agma, elle explique, c'est intéressant. D'ailleurs, on va en avoir besoin pour le sujet de la Mishnah aussi. Et à chacun, il y a le taureau et l'âne. Le taureau, lui, il a besoin de manger une nourriture propre, qui n'est pas de sorte de terre qui va se mélanger dedans. Par contre, le taureau, lorsqu'il mange, il salit ce qu'il mange, il salit son foin ou sa paille, je ne sais pas comment dire, il salit ce qu'il mange, ce qu'il bave. L'âne, il est capable de manger à l'opposé. Il mange très proprement, mais il est capable de manger un foin mélangé avec de la terre. Par contre, pas un foin qui a été, pas un foin ou des céréales qui ont été mangées par un taureau, parce que la bave du taureau, les cœurs, d'accord? On va en avoir besoin pour expliquer la Mishnah, en fait. La Mishnah, pour le moment, on a besoin de cette première partie, Gorfin, Milifina, Petam, donc le taureau, on a besoin de lui donner une nourriture bien propre pour qu'il la mange. Du coup, pendant Shabbat, si nécessaire, tu as le droit d'être goref, avec les grofs, ça veut dire, je sais pas, avec un râteau, on ramasse, on balaye, on est traduit comme ça, on balaye devant le pétam, devant donc un taureau d'élevage, on a le droit de balayer. Voilà ce que la Mishnah est venue m'enseigner en fait. Vous allez me dire c'est quoi le chidouche. Bah quand on va expliquer Rami Mosrim, on va expliquer c'est quoi le chidouche. Et deuxième chose, mais salkin les dadin mes penari. Et aussi tu as le droit de pousser ce qui est derrière le taureau, mes penari, à cause de ses excréments. C'est-à-dire qu'en fait, tu repousses sur le côté la paille, foin, céréales, ce qu'il mange, tu le pousses de côté pour qu'il ne fasse pas dessus. D'accord? Ok, c'est clair? Donc en fait, on a deux éléments qui sont rapportés. D'Ivra Bidosa, c'est l'avis de Rabbi Dosa, Ramim Osrim et Ramim interdit. Ramim interdit, c'est deux raisons différentes. La première raison d'abord de Gorfin, Minifina Pétan, c'est qu'on balaye devant le pétam. Ramim nous dit non, non, non. Il y a dedans aussi des céréales sur lesquelles le taureau a bavé et qui ne sont plus consommables par aucun animal. Même le taureau lui-même, il s'en écœure. La pub, ça donne plus envie de manger, imaginez quelqu'un qui l'a. D'accord? Eh bien, ça donne même plus envie de manger. Donc maintenant, ce foin-là, ou cette paille-là, ou cette céréale, elle est devenue mouktsé. Et du coup, tu ne peux pas, sans faire attention, mettre un tout poussé, parce que tu es en train de pousser en ce moment du mouktsé. Ça, c'est la première chose. Et sur ça, bien de ça, il discute. Il n'est pas d'accord. Je ne sais pas précisément pourquoi. Peut-être qu'il va dire que la majorité, c'est pour le moment propre, donc tu pousses tout, je ne sais pas exactement, ce n'est pas explicite. Mais ça qui les a c'est que l'on repousse sur les côtés à cause des excréments. Là, on parle de quoi? En fait, on parle qu'il y a dans le mangeoir, le évous de l'animal, un évous, c'est un mangeoir, c'est là où on met le bac sur lequel on met la nourriture. La Gemara explique en fait. Il y a deux types de bac. Un bac qui est construit par terre, et un bac qui est en fait un ustensile. Maintenant, sur ce qui est construit par terre, ça fait qu'il y a au fond, il y a de la terre. Là, une chose de sûre, c'est que si tu vas te mettre à tout, comment dire, tout repousser avec le râteau, et bien c'est sûr que tu vas se faire, tu vas te lancer ça dans un petit shabbat de m'achever goumot, d'aplanir une surface. Vous savez que vous avez un trou dans votre, vous avez un chatser, on l'a déjà évoqué, vous avez une cour par exemple, un jardin, il y a un trou. Vous n'avez pas le droit de boucher ce trou en déplaçant de la terre dessus, parce qu'on a interdit de dériver de bonnet. On a interdit de bonnet, tout simplement. D'accord?
Et mâchevé goumotte, le fait d'aplanir, d'être mâchevé, de goumotte, d'aplanir des creux. Donc maintenant, pour le Evos, c'est la même chose. S'il est en construction par terre, au fond, il y a de la terre, on n'a pas le droit de déplacer du tout. La question maintenant, elle est lorsque tu vas le faire dans un ustensile. D'accord? C'est un Evos en plastique, c'est un gros bac en plastique sur lequel on met un gros mangeoire en plastique, sur lequel on met la nourriture. Donc il n'y a rien à être goref en dessous. Le problème, il est que si tu vas permettre ça, on risque de permettre l'autre. Non, c'est la discussion. Rabbi Noza, il nous dit, celui-ci, c'est un ustensile, tu as le droit de le faire. Rabbi Noza, c'est interdit parce que les gens ils vont confondre le mangeoire, qui est un bac en plastique avec un fond, peu importe, avec en bois, et avec celui, avec le bac qui était directement construit, où il y avait de la terre en dessous, et ils vont transgresser l'interdit Shabbat. Et dernière partie de la Mishnah, maintenant, notlin binifne behemazo, venotlin binifne behemazo beshabbat. On a le droit de prendre la nourriture de cet animal pour la donner devant l'autre animal pendant Shabbat. Une condition essentielle, c'est que la nourriture elle soit encore propre, sinon elle est écœurante. Du coup, la Gemara elle explique. Tu as le droit de prendre la nourriture que devant l'âne, tu la donnes à manger au chamor, au taureau. Parce que là, le taureau ne s'écœure pas de la nourriture du chamor, le chamor ne bave pas. Par contre, la nourriture du taureau, tu n'auras pas le droit de la donner au chamor, à l'âne. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine d'Atzlacha, pour tout ça.